までの俺はサッカーが大好きだ。Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Genzo Wakabayashi V2. Donc si vous entendez mes enfants, c'est pas encore la rentrée, je les garde, donc voilà, ne vous inquiétez pas, pas de soucis là-dessus. Donc voilà, le Genzo Dreamfest V2, on va l'analyser. Je pense pas que je vais invoquer dessus, même s'il a l'air d'être très 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 fort. On va voir ça tout de suite. Bon, on l'a déjà vu, hein, son arrêt Z. Ah, c'est l'arrêt Z. L'arrêt Z. Mais il est pas mal. Pas mal l'intro de notre ami Genzo Wakabayashi Club. Premier Wakabayashi Club Dreamfest. Donc le V2, hein. Donc voilà. Moi j'attendais Old Shadow. Voilà. Avec Soda, Radunga, Margus. Donc gros problème pour moi, c'est que je les ai déjà. Soda, c'est sympathique, mais c'est pas un truc de ouf. Donc voilà, les cadeaux, on va prendre. Voilà. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait 32 Dream Ball. J'ai rien, et je vous jure, j'ai rien fait de spécial, hein. J'en ai 32 Dream Ball. Bon, après, je sais qu'il y en a, peut-être ça se trouve qu'il y en a eu beaucoup plus. Chut, hey, les enfants. Arrêtez. D'accord, est-ce qu'il y a des... Non, il n'y a pas d'événement. Bon, ça, ok, tac. Bon, je vais pas vous mentir, les gars, là, en ce moment, je suis sur Rise of New Champion, je suis à fond dedans. J'ai fini mon premier run, donc j'ai débloqué la... J'ai débloqué ma... Comment dire... L'Allemagne, j'ai débloqué mon premier run, j'ai fait un premier run. Donc voilà. Donc, désolé si vous entendez rigoler derrière. J'espère que ça vous gênera pas trop. Marché Dream Ball. Qu'est-ce qu'on a? Ah, attends. Ils ont mis le maillot du Japon blanc. On l'a jamais eu ce maillot-là, le blanc? On l'a jamais eu le blanc? Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre qu'on l'a jamais... Ah ouais, je crois qu'on l'a jamais eu le blanc. Bon bah, je vais le prendre. Allez là-bas. Oh, franchement, vivement la rentrée, les gars. Vivement la rentrée. Il n'y a que maintenant que je peux vous faire la vidéo, sinon, laisse tomber. Bon, voilà, c'est pris. Ok, bon allez, c'est parti, on va voir le Genzo. Allez, c'est parti pour le Genzo. Il a un éveil du potentiel. De toute façon, tous les joueurs sont au éveil du potentiel. Alors, il est bleu, 1162 en endurance. Coup de poing, 5758 en coup de poing. 10085 en arrêt, waouh! Va là-bas. 10 000 en arrêt, magnifique. 6300 rapidité, puissance 8002 et technicité 9057. D'accord. Arrêt Z est égal SGGK. Sérieux? Ils l'ont appelé comme ça, l'arrêt? On dirait une opération mathématique. Ouais, parce que sinon vous allez me... Oh là là. Sinon, allez dans la chambre. Voilà, allez hop. Bon, par contre, il y a la tondeuse dehors. Arrêt GGK et coup de poing SGK. Donc voilà, 520. Gros arrêt. 520 et zone de sûreté plus 25%. Bon, maintenant, les mecs... Il s'approche avec des 1-2, avec Mickaël et tout, mais là, Mickaël, vu qu'il est bleu, ouais, ça commence. Bon, là, c'est 15%, ça, on s'en fiche un petit peu. Désolé, hein, si vous entendez la tondeuse, c'est des conditions assez... c'est un peu n'importe quoi, cette vidéo, hein. Je vais pas vous mentir, c'est un peu n'importe quoi. Lien, donc, il donne à tous les 3... Il faut 3 joueurs japonais vitesse, très bien. Voilà, un lien, enfin, compréhensible.
Full body stand, 20%. Très compliqué de lui marquer un but dès le début du match. Mettre des arrêts puis effectuer. D'accord. Ok, donc il repousse pas le ballon. Il repoussera pas le ballon. Donc c'est soit l'arrêt ou soit il se mange un but. Non, très très fort. Franchement, très très fort le Guenzo. Très très fort le Guenzo. Je sais pas si vous entendez dehors, c'est incroyable. Hein. Je sais pas ce qu'ils font dehors, mais c'est incroyable. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Non, voilà le Guenzo, hein. C'est sympathique, c'est bien. Il y a le retour aussi du Dream Championship. Hop, ça enferme. Du Dream Championship pour septembre. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite dans les infos. Et des qualifications et tout et tout. Ah, bah voilà, ah, c'est ça. Donc, le maillot extérieur blanc, il n'est pas sorti. Putain, par contre, il est beau. Ah, il est beau. Ah, il est beau, Tsubasa, avec le maillot blanc, comme ça. Tri-tri, tu sais ce qu'il te reste à faire. Sors-nous le Tsubasa. Prix découpé blanc. Ah, il est magnifique, le maillot. Ah, bah, je l'ai pris direct. Une DB. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça, une DB. Hein. Alors, cadeau, célébration, 10 000 membres atteints sur le Discord. D'accord, c'est toujours bon à prendre. Je pense pas qu'ils vont détailler. Ah, attends. Bon, t'as le portail latin de la Sudam. 50 Dream Ball. Eh ben, c'est parfait ça. Date prévue de distribution le 4. Donc, pardon. Donc, pendant le Dreamfest? Pendant le Dreamfest ou pas? Peut-être que je ferai une vidéo invocation. Peut-être pas aujourd'hui, pas maintenant. Cela, c'est une vidéo présentation. Et si je fais une vidéo invocation, je vous en ferai une. Vous inquiétez pas. Là, je réfléchis. Là, je suis trop dans Rise of New Champions, les gars. Et Dream Team, pour l'instant, je l'ai mis un peu de côté. Je vais pas vous mentir. Je préfère être franc avec vous. Mais voilà. Bon, par contre, ça, les gars, va falloir que là, vous changez ça. Hein. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Juste attends. Un truc, je vais voir jusqu'à quand il est le Dreamfest. Jusqu'à quand? Parce que je vais pouvoir faire 4 multi. Alors attends, jusqu'à quand? Jusqu'au 7. Ah bah c'est bien, on a 8 jours. On a carrément 8 jours, donc on peut... Je vais réfléchir si j'invoque ou pas. Ah, je vais réfléchir si j'invoque ou pas. Ok, bon bah je pense qu'on est bon les gars, hein. Je pense que voilà, bon bien évidemment des discounts de DB, on va voir ça tout de suite, c'est combien les... Non c'est pas ça que je voulais faire, désolé. Là, je suis perturbé par le bruit là, j'espère que vous l'entendez pas trop. Boutique. Hop, donc les 3 packs à 50 centimes. Bon alors, je vais les prendre en off. Être en pan tranquillement off. Bon les gars, je vais vous laisser parce que là c'est un peu le bordel dehors. Moi j'ai des enfants, plus le bruit dehors. Magnifique, cette vidéo est juste magnifique les gars. Allez, je vous laisse, portez-vous bien et on se donne peut-être rendez-vous pour la vidéo invocation sur le Dreamfest Guenzo Hambourg. Et j'espère que vous avez poudre, j'espère que vous allez avoir ce que vous voulez, ce que vous visez. Moi le problème c'est que j'ai deux rate up que je ne vise pas du tout. Et franchement, s'il y a un joueur que j'aimerais bien avoir dans le Dreamfest, c'est Raphaël. Raphaël, j'aimerais bien l'avoir pour le mettre avec mon ami Michael. Donc voilà, donc j'espère que vous avez vraiment eu le joueur que vous voulez. Et pensez à vous abonner, c'est très important à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le pouce, la petite cloche, parce que en ce moment, je fais beaucoup de lives sur YouTube. Peut-être que je ferai quelques lives sur Twitch. Peut-être, je vois qu'il y a mes amis vidéastes. Comment ça va sur Twitch, peut-être. J'ai une chaîne Twitch depuis très longtemps. Donc voilà. À la prochaine. Je vous embrasse. C'était Letko. Ciao!